Ouais, 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 salut le Zozo, c'est Parano, on se retrouve pour la partie 6 sur Batman Arkham Origin. Mon pote m'a montré comment péter les distributeurs, je vais essayer de m'en souvenir. Donc là, il y a une attaque en cours. Je peux pas l'attacher à quelque part. Tout ce que je veux pour Noël, c'est de l'argent. Batman, you get down. Donc là, dans l'épisode précédent, en fait, on s'était arrêté juste devant le QG d'Enigma. Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, je vais pouvoir l'enchaîner ou pas? Hein? Donc je suis en train de gérer, on s'était arrêté devant le repère d'Enigma. Il nous avait laissé des hommes de main en fait à traquer. Putain! J'étais pas loin de te coffrer! Et maintenant, t'auras plus que des dents cassées si tu ne me dis pas où sont cachées les données volées. Je vais te dire où elles sont, mais ça te servira à rien. Je serai debout dans une heure et je te traquerai. Non, tu rêves. Ceci n'est pas un test. Un couvre-feu obligatoire est en place. Et donc maintenant, sur la map sont affichées les données cachées d'Enigma. Et petit à petit, quand on va traquer toutes les personnes une par une, les formateurs d'Enigma, etc., etc., vous aurez toutes les données d'Enigma. Et voilà, petit à petit, on va essayer de faire ça. Donc pour le moment, on va essayer de prendre les émetteurs, tant qu'à faire, vu que c'est sur le passage. Après, je suis pas sûr que je puisse l'ouvrir pour le moment, parce que des fois, il me faut une sorte de gadgets high-tech que je ne possède pas peut-être sur le moment, et peut-être que je pourrais les acquérir à la fin du jeu ou je sais pas. Alors eux non, j'ai pas envie de les voir. Des tuyaux non. Ah, il est sérieux, il y a aucun endroit où je peux m'accrocher. Bon, le repère il est où? Il est là-bas. On va planer un petit peu. Donc il est ici. Donc le Y il est là-bas. Est-ce qu'il y a des gens ici? Non. Pas que je ne les vois pas. Ici. Non plus. Ok. Va trouver maintenant l'entrée du repère. Alors déjà, il y a un petit truc à péter. C'est gratuit. Alors, j'aimerais bien savoir où est cette foutue entrée. Ouais, ils disent que le point il est ici. Donc je suis arrivé à destination. Maintenant, va trouver l'entrée mon ami. Ah, peut-être juste en dessous là, par là. Je dirais que c'est ici. Tu as pris la bonne décision. Reconnaître que l'on est vaincu est la première étape vers la progression personnelle. Non mais t'es sérieux là? Putain, il fait n'importe quoi. Je te dis pas d'aller là, arrête.
Y'a rien, je peux rien accrocher. Donc l'entrée est ici. Mais encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir les y accéder, ou du moins pas par là en tout cas. Y'a jamais de point d'accès pour les tuer, les mecs. Les bonnes choses ont une fin. Putain, chacal. En plus, il te met les nerfs, quoi, le bâtard. Il faut que je trouve une entrée là, c'est pas possible. Donc, pas par ici, pas par ici. Je pense pas que ça soit par les égouts, quoi, par le bas. On va essayer de voir, mais je pense pas que ça soit par le bas. Je crois que c'est la première fois que je cours dans le jeu, là. Ah non, comme tu dis, mon gars. Hop, je repars de l'autre côté. Ouais. Amuse, amuse-toi. Je pense pas que ça soit par ici. De toute manière, il y a rien par là. Comment il nous a trouvé ? Et lui. Ah, je dois pas avoir les gadgets, c'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas, je... Ah, c'est quoi ce signe? Attendez, j'avais vu un signe tout chelou là. J'ai vu un signe tout chelou. Alors, à quoi ça va servir ce truc? Bien sûr, je suis de la merde. Mais bon, il y a quelque chose là, par là. J'ai pas visé ici, mais bon, c'est pas grave. J'ai besoin de n'importe quelle unité disponible. Bon, écoutez, ça sert à rien, je vais chercher pendant 2 heures. Ouais, c'était trop compliqué en fait de le faire se pendre juste. Vous voyez ce que je veux dire? Juste se pendre, quoi. Se pendre aux corniches ou même passer par là, mais... Non, non, il passe pas Batman par là. Il est trop épais. Putain, cette vision, elle me donne mal au cœur, quoi. Bizarre, 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 bizarre. Je suis intrigué quand même parce que j'aimerais bien... J'aimerais bien passer, j'aimerais bien couper cette tourelle. Et en plus, ce chacal, il vous met les nerfs en vous disant ouais, genre t'es trop nul, tu arriveras pas, je sais pas quoi. Ma foi, des petits bugs, des fois je comprends pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. En plus, je fais de la merde, là je tombe dans tous les sens. Donc je sais pas là pour le moment, franchement je suis... J'ai un petit peu perdu, vous voyez. Je sais pas s'il faut que j'utilise mon arme de brouillage ici, je pense pas du moins.
Non, de toute façon, ça se validerait s'il y aurait quelque chose à... Aucune idée. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai les nerfs, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, qui sont assez faciles et on reviendra, je pense que de toute façon on se fera un épisode consacré qu'au tour là, parce que c'est vrai qu'il faudrait que je les cherche un petit peu ce tour de communication. Où dois-je aller? Je devais aller sauver la petite, non? Si je me souviens bien, parce que là c'est vrai que ça fait 10 minutes qu'on tourne et tout ça. Non, je vais pas lui foutre un coup de pied. Faut avancer aussi un petit peu. Ça sert à rien de tout le temps les bastonner quoi. Moi je prends pas le. Je vois pas l'intérêt de tout le temps bastonner les mecs aussi. Après chacun ses délires, hein. Peut-être que vous quand vous jouerez au jeu ou vous aimez bien tout bastonner toi, à tout bout de champ là. Moi personnellement c'est pas un kiff. Après oui j'aime bien me battre et tout ça. Mais c'est pas non plus un truc de malade quoi. Ok, c'est par là-bas. Lévitation. Ok, pas mal. À toutes les unités de l'homicide disponibles, merci de répondre au 187 dans le barrel. Les agents sur place ont signalé des victimes qui seraient tombées d'un immeuble. Ça codé, ils vont même pas nous voir. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Non, on s'en fout. Il est minuit, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci Alfred. Qui c'est lui? Oh là là. Laissez-moi tranquille. On a de la compagnie. Mourir. Ah ouais, carrément. Ok, bon. Le point est ici. Planque du chapelier. Tu veux me choper? D'accord. Il m'a carrément coupé dans le combo quoi. Pas deux fois, ok? C'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Bon, maintenant, trouvons l'entrée de la planque du chapelier. Chapelier feu. Pourquoi j'ai... monter, d'accord, non, je vais pas monter. Non, je suis là. Restez pas comme ça, pauvre crétin. Tu peux pas. Frappez le plus fort que ça. Ça fait des heures que j'attends. Et jamais il arrive à terminer ses phrases, le pauvre. Il est temps de te dire. Mais c'est pas...
tu te tapes où alors? Oui, bien. Et bidig donc. Où sommes-nous? Vous devez être parfait. Bien sûr. Bien sûr, monsieur. Tu dois m'appeler monsieur tout le temps. C'est bien compris? Oui. Oui, qui? Oui, je comprends très bien. Oui, je comprends, monsieur. Oui. Non, monsieur. Non, oh, ça va me rendre fou. Je vais vous donner une interface nerveuse. La nouvelle, disons la meilleure, c'est que ça marche. Vous m'écoutez tous. Aussi bien que vous le devriez. Mais c'est un défi. C'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Personne n'a jamais voulu écouter ce brave Jervis. Il aurait tout aussi bien pu être invisible. Mais maintenant, maintenant, vous allez tous m'écouter. Parce que vous n'aurez pas le choix. J'espère qu'Alice se fait. Toujours aussi fou, lui, hein. Je devrais me préparer pour l'arrivée de mon invité. Il m'a même pas vu, quoi. Eh, mais tu rigoles, quoi. Oh, pas mal celle-là. Ah, j'ai trop kiffé. Ah sérieux, frappe, pourquoi ça bug? Tu es venu, c'est merveilleux, c'est vraiment un honneur de faire ta... Où est la fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Alice. Excellent, alors tu sais pourquoi tu es ici. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris finalement. On va y remédier. Tic-tac, gare à l'horloge. Qu'est-ce que tu as fait? Et bienvenue au pays des merveilles, Batman. Oh, c'est là que j'ai rencontré Alice pour la première fois, tu sais. Ah, quelles belles aventures on a vécues. Mais ensuite, ils me l'ont enlevé. Ma pauvre petite Alice, ça... Merde. Je devais la retrouver, je devais la ramener, alors je l'ai fait. C'était un sacré voyage, tu peux me croire. Mais la revoici, saine et sauve, près de moi. N'empêche, les hommes de la reine sont partout. Ils conspirent pour la reprendre. C'est pourquoi je t'ai fait venir ici. Putain, je comprends pas là, wesh. Pour protéger Alice, qui peut-on trouver de mieux que Batman? Wesh. Mais je peux pas viser, tu veux que je fasse comment? Ils me prennent pour un con, quoi.
Je peux rien utiliser quoi. Oh le fils de chacal. Putain c'est trop chelou. C'est quoi ce délire? Ils ont pété un plomb quoi. Où est l'entrée? Où est la sortie? Ciel! Oh flûte! Par où dois-je aller? Arrêtez! Il me rend fou! Il me rend fou! Il va me rendre fou! C'est quoi la logique en fait? Je comprends pas. Tu es tout prêt. Mais ça ne suffit pas. Je comprends pas c'est quoi qu'il faut faire quoi. Regarde-toi, tu tournes en rond. N'oublie pas, la gauche est la droite et le haut est en bas. Où est-ce la droite en bas et la gauche en haut? Bonjour. Attends, on revoit la porte. Bien, bien, tu as réussi. Mais ça t'a fatigué, pas vrai? Ta volonté en a pris un coup, n'est-ce pas? Tes pensées deviennent lourdes. Tu as du mal à garder le contrôle. Bientôt, Batman. Bientôt. Eh, hey, mais il veut plus se battre, wesh. Le pays des merveilles cache de vilaines créatures. Il fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Ne t'en fais pas. Alice est entre de bonnes mains. Un peu de thé, Alice. C'est Batman au pays des cauchemars, ouais. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est vrai. J'ai tué Batman. Chacal. Barbara.
te demander pourquoi je t'ai fait descendre ici. En fait, j'ai développé un appareil merveilleux. Il permet de se faire obéir. Sur les esprits faibles, il fonctionne très bien. Je colle ma création sur leur tête et, comme par magie, ils obéissent tous. Sur les individus plus forts, cependant, cela requiert de la persuasion. Et cela, mon ami, nous amène à notre affaire. Tu es mon rompi-dompi, Batman. Ton esprit tombe en miettes. Et quand je recollerai tous les morceaux, alors tu seras à moi. Pour tous. Savais-tu que le temps bougeait dans 7 directions différentes ici? Mais tu es coincé dans l'une. En avant, toujours en avant. Oh, comme c'est rasoir. Pourquoi n'essaies-tu pas d'aller en arrière? Il me fait serrer ce bâtard. Ah, la vérité, il est malade. Oh. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi, allez, dis-moi. Est-ce que ça fait peur? J'espère bien. En fait, j'espère que la peur va te briser. Non, 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 ça va pas du tout. Tout est à l'envers et tout va de travers. C'est nul. Pourquoi tu veux pas? C'est ça. Thank you.
La table est retournée et les invités sont partis. Je crois que tu devrais partir. En fait, je te l'envoie. C'est en route. Vous n'avez plus rien à craindre. Non, c'est faux. Non, sur ma vie, il m'a rendu fou, lui. Ah, la vérité, je me suis muté parce que franchement, je pétais les plombs. Ouais, il m'a rendu dingue, le chip, mais dingue. Ils ont craqué de faire des trucs comme ça ou quoi? La caméra elle changeait toutes les 5 secondes et tout, c'était un truc de malade, ça donnait mal à la tête quoi. Moi ça m'a rendu dingue hein. C'était rigolo, l'ambiance elle était bien et tout hein, mais... Voilà quoi. Heureusement que ça durait pas plus hein. Là c'est le maximum là, après ça rendait fou furieux là. Inconscient. Là, j'imagine qu'encore il va falloir qu'on se rebatte contre lui. Bon vas-y, elle fait que de pleurer. Bon, on se taille. Arrête du fouet le petit là. Allez pleure toi. Tout ça pour une fille qui est même pas reconnaissante, même pas merci ou quoi la gadji. Putain, ça va prendre à aller sauver les gens. Alors, scène de crime. Hein? C'est quoi ça, scène de crime? Je crois que j'ai jamais fait ça. C'est un truc secondaire ou... Ma foi. C'est chelou. Par contre, il y a plusieurs trucs maintenant qui sont affichés sur la carte. Vous avez vu? C'est hallucinant. Hein, ok, ça c'est pour... Allez, pourquoi pas. On va faire une scène de crime. Non, on s'en fout, j'ai pas envie. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. C'est Batman ? Non, c'est pas moi. La police sait que la victime a chuté d'un bâtiment proche, mais il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Son identité devrait nous donner des indices. Ok, ça je kiffe par contre. C'est parti ! Brian Murphy, un comptable de la banque d'affaires de Gotham. Cause de la mort, blessure interne due à un impact. Je sais ce qui s'est passé, découvrons maintenant pourquoi. La répartition des taches de sang témoigne de la violence de l'impact. Je devrais vérifier le toit. Comme ça, direct. À chaud, comme ça. Alors... Allons, vérifie le toit.
Donc l'impact s'est passé ici. Cette rambarde est cassée. Était-ce un accident ou a-t-il été poussé? Deux séries d'empreintes de pas. La victime n'était pas seule. Et tous ces papiers indiquent qu'elle avait une mallette. Je dois la retrouver. Elle avait une mallette? Bon. T'es assez fort, moi, parce que moi, j'ai pas capté une mallette. Une mallette. Ah. Là, je fais ça, donc la mallette. Attends, faut que je descende en même temps, sinon. Alors. Peut-être que la mallette, je suis allé peut-être trop bas, quel con. J'aurais dû rester juste sur le truc là-bas. Alors attendez, on va repartir directement. Et j'ai fait la dend là. Si je me mettais plutôt ici. Tu veux plus faire le bail ou quoi? Mais non! Ah! Bah ben voilà! LOL! Intéressant. Il y a deux jeux d'empreintes ici. L'un appartient à la victime, l'autre à Robert Haynes, un escroc bien connu. Alfred, il me faut la dernière adresse de Robert Haynes. Je vous envoie tout ce que j'ai si ça peut vous aider. Inutile, monsieur. J'ai déjà une zone de recherche. Vérifiez votre écran. On a une mission potentielle. Restez sur ce canal. Alors, je suis du Plaza. Ça, c'est résolu. D'accord, c'est énorme. Et directement, il te fixe le point d'ancrage. Donc écoutez, on va quand même un petit peu continuer. Ok, non, on a 40 minutes de vidéo. Allez, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai pas envie non plus que ça dépasse les 1h30, même si je sais que le 3/4 des gens kiffent quand les vidéos durent super longtemps. Je pense que 40 minutes, c'est déjà pas mal. Surtout qu'en ce moment, j'ai... Comme d'habitude, hein, quand c'est pas un problème, ça vient d'un autre. J'ai les rendus qui sont super longs. Je sais pas si ça tire sur le CPU ou quoi. Là, je sais pas du tout. Peut-être j'ai fait des mauvais réglages. Je vais essayer d'arranger tout ça. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout de ça. Lors du prochain épisode, je pense qu'on va faire la quête principale. Et pourquoi pas après poursuivre notre enquête en mode Sherlock Holmes pour la chute du. C'est quoi ? Jezebel Plaza. Donc écoutez les oiseaux, on va quitter déjà ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Batman Arkham Origins. Allez, peace.